Je vais déjà essayer de souffler dans une vachette, mais ça demande effectivement les feuilles. Et c'est très puissant, vous avez vu, vraiment un instrument tout petit, mais d'une grande puissance. En fait, bien comprendre que ces instruments qui s'apparentent à la famille des instruments dits buissonniers, et dans ce pays-là, on a une espèce de vache, qui s'appelle la vache maréchine, qui a des cornes aussi grandes que les cornes des vaches auvergnates, qu'on appelle les salaires, par exemple. Par contre, autrefois, les anciens fabriquaient des instruments dans ce type d'ustensile, vous voyez. C'est pour ça que cet instrument est apparenté à la famille des instruments buissonniers. Alors par contre, pour obtenir des sons justes, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas d'ouverture. Et c'est très compliqué parce que c'est comme si, c'est tellement aléatoire, c'est comme si vous rouliez sur l'autoroute avec des pneus crevés. Quoi. Dans l'armée de Charette, notre général ici, capturé ici à la Chaboterie. Dans le château d'amour fut pris, dans le château d'amour fut pris, quel grand hommage. C'est entre la guitare et le luth.
La guitare, parce que son manche est droit, hein, on y connaît bien son manche, la guitare, et surtout parce que le manche n'est pas cassé, pas brisé comme sur le luth, n'est-ce pas? En revanche, l'instrument a conservé son corps de luth, avec ici toutes les côtes qu'on peut y trouver, sur un érable moucheté magnifique, sur le passant, notez. It's been a hard day's night. Alors, oui, voilà, soyons bien, vous connaissez cette chanson. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en fais du pain et du vin à la pluie, mais il n'est pas pour ton vilain nu. Tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Très bien. Bien précis. Et de ce fait, vient raccourcir la longueur vibrante de la corde. Oh là là là. Je monte. Je mange pas comme ça, là, c'est pour vous montrer.